L'option d'utiliser des forces de service actifs dans un rôle d'application de la loi ne devrait être utilisée qu'en dernier recours et seulement dans les situations les plus urgentes et les plus extrêmes. Nous ne sommes pas dans l'une de ces situations à l'heure actuelle. Je ne suis pas en faveur de l'invocation de la loi sur l'insurrection. L'acte autorise un président américain à déployer l'armée en cas d'urgence dans le pays. Les déclarations publiques d'Esper le mettent en désaccord avec Trump et suscitent de nombreuses spéculations quant à son avenir. Mais la secrétaire de presse de la Maison-Blanche dit que ce n'est pas actuellement le plan du président. En ce moment, le secrétaire Esper est toujours le secrétaire Esper. Et si le président perd la foi, nous allons tous le savoir.